Je continue donc le feuilleton des déconnexions avec le Zino. Hier, au niveau des falaises de Sangatte, comme la semaine dernière, j'ai encore eu une déconnexion avec le firmware 1151. J'étais allé peu avant où je testais mes distances du Zino en drone et là je n'ai pas eu de déconnexion. Je n'ai pas changé le cordon USB non plus hier, j'en ai un neuf. Donc aujourd'hui je me suis remis en version 1.1.52 et je vais changer le cordon USB. Et je suis au même endroit que la fois dernière, c'est-à-dire derrière moi, c'est là que j'avais eu des déconnexions. Donc on va voir tout ça, parce que je ne veux pas rester sur un doute. Pour l'instant, pas de déconnexion avec le nouveau cordon USB. Est-ce que ce serait la solution? Je vais certainement refaire un test plus approfondi ici. Et puis on verra, mais bon, pourquoi pas.
je perds le retour vidéo et j'ai encore la main sur le drone. Là, je n'ai plus la main. Il va redescendre tout seul. Bien, il ralentit. Donc le cordon n'est pas en cause. Le firmoir 1151 avait déconnecté également dans une zone hier près des falaises, comme le 1152 la semaine passée. En ayant remis le 1152 avec un nouveau cordon, j'ai également une déconnexion, donc ça peut venir que de l'environnement, à mon avis. Quand il revient de lui-même et qu'on n'a plus la commande de l'émetteur, il va se poser où on a décollé. Donc si j'avais décollé près de la mare ici, il est possible qu'il soit tombé dans la mare, même au bord. Donc vous voyez le souci et le problème. Donc pour moi, toujours décoller maintenant, puisque je n'ai plus confiance à 100%. Toujours décoller d'un endroit qui ne risque pas de me causer des problèmes au niveau de la case du drone. En espérant que ces tests de déconnexion pourront vous faire prendre des précautions particulières au niveau du décollage pour avoir un retour, un atterrissage au cas où, si vous avez une déconnexion, ça arrive. Moi, ça ne m'était jamais arrivé auparavant, mais là, en 3 vols, j'ai des déconnexions. Donc surtout ne prenez pas de risques, il suffit d'une fois. Je vous donne donc ma conclusion pour les 2 tests que j'ai fait aujourd'hui. Conclusion non exhaustive, puisque je ferai d'autres tests par la suite. Mais je peux dire que ce n'est pas le cordon USB qui est en cause, que ce n'est pas le firmware 1152 qui est en cause. Pour moi, ce seraient les très basses altitudes d'Usino. Au niveau des falaises, je pense que la falaise a interféré également, mais j'étais à 3-4 mètres du sol quand ça s'est déconnecté. Donc au niveau falaise, j'ai compris. Et au niveau ici, dans les dunes, c'est le même souci. Je ne volais pas très haut et je volais en plus près des blocos où il y a certainement des interférences de ferraille.